Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Compagnie of Heroes 3, toujours sur la campagne italienne. J'avais dit que je mettais fin à mon tour au début de l'épisode, c'est chose faite et on va attendre de voir ce qui se passe. J'ai attendu 19h pour un peu plus de 19h pour lancer le tournage de cet épisode parce qu'il y a la première mise à jour majeure qui devait sortir pour le jeu. Mais vu qu'elle arrive pas et que voilà, j'ai pas toute ma soirée non plus, du coup, tant pis, je l'ai lancé sans ça. On verra bien. Ok, alors on a une petite action d'escarmouche parce qu'on nous attaque. On va le faire. Commencer à se mettre direct dans le bain. Donc tant pis, bon, la mise à jour était pas. Voilà, c'était plus des trucs sur le menu que j'avais à montrer. Mais bon, on fera ça la prochaine fois, c'est pas grave. All right, men. We may be on the defense. But that just means we're in a better position to bring the fight to the enemy. If we can surround their HQ, we'll have a chance to force a retreat. Gurkha rifle section ready and waiting. Ok. Oui, des points d'exclamation. Oh, we need it elsewhere, lads. Let's get to it. What's the task? We're taking that position. So then, what are we doing? We must capture that point. Hop. Pas pourquoi il y a des points d'exclamation, honnêtement, non? Ah, ok, des caches de munitions des partisans. D'accord. Beaucoup de choses hein, d'ailleurs là qu'on peut faire. Hein. Heavy machine gun has been deployed for you. Voilà, une petite mitraillette dès le début, c'est toujours ça de prix. Let's put them to good use. Stock de mines. Ouais, si vous voulez. Moi, je suis pas, je suis chaud, hein. On peut pas en programmer plusieurs, hein, c'est ce que je voulais voir. On va faire d'autres fusillés, évidemment. C'est le bout de la map, ça. Ok, donc ils vont pas forcément, ils peuvent pas arriver de là-bas. Ils peuvent arriver de là, par contre. An infantry section of Tommy's has been trained. On va mettre des fusils mitrailleurs Bren. Royal Engineers, ready. Mines laid. Might want to avoid this spot. Always eager to serve. Smoke breaks over. Time to go. Quit whinging and march. Sappers, eager as will ever be. Present and accounted for, sir. Landmines laid and covered. They won't suspect a thing. Dr. Kali, up on your feet, let's go. Orders understood. Let's get started. Là, il doit y en avoir une autre. Ok, on y va. On va prendre un petit tobusier. Mais je vois pas full pour le moment, donc Come on, ladies, while we're young. Sappers, pack it up, lads. Quiet we're down moving. And listen up. Arses in gear, let's go capture. C'est bien qu'il y a personne. Par des civils qui discutent. Au-delà de rien. Ah bah quand même.
Battleship artillery carrier and crew on standby. He's got clear. We have to run. Move. Starting the work. Rifle section ready. Hop. On va faire tirer directement. Ah, quoi que si ça se déplace. Non, c'est bon. Sera mieux couvert dans le bâtiment, plus le bombardement. Bon, bombardement que pour ça, c'est un peu... Hein, c'est un peu gourmand, mais c'est pas grave. Et voilà. Ok, go, faut fuir là. Là, il y a du monde. Je sais pas comment ça marche ça. Hop, j'aurais bien besoin de toi là. Bah voilà, ça aurait... Non, ça suffit pas ça. Allez, bisous. Hop. Gorka rifles have been brought up to the front. My brothers and I are ready to serve. Recall, head into the location. We're losing a fuel point. Cover his position. Energy captured. Voilà. Attack that target. Control your fire. Oh, port down, you pull back to base. It's your tank. Available on lend lease. Hit the fucking floor. We found Jerry. Infantry, drop them. Ici, ça va le faire aussi. Pour avancer la mitrailleuse impérativement, évidemment. Un petit lance-grenade. Voilà. Ok, ça bombarde là. Ok, faut fuir. Ok,
Le commandant de char, on priorise les véhicules évidemment, mais quand même. Et relou. Ok, ici. Alors, eux peuvent leur tomber dessus, par contre, quand dans leur fuite. Voilà. Abattez-les, s'il vous plaît. Oh! Ouais bah à ce rythme là ils ont le temps de fuir, c'est clair. Alors an HMG crew has been lost to enemy action. Bien, parfait ça. Non mais lui là-bas. Allez, débloquez-vous là. Allez, parfait. Je vois pas où ils sont bloqués eux. Vous bougez par contre. Alors que je revois tout ça. Ok, alors toi dans 14 secondes je vais te demander de bombarder ça. Qui est à peu près intact là dans le tas, parce que c'est un peu le bordel hein. Vous allez venir là. On va prendre un char en plus. Là, on va leur faire pas mal de dégâts avec ça. Et lui, ici. La contre-attaque elle fait mal là. Et eux ils vont venir voir cela là. Alors. Ok. Hop hop. Ok, fuyez.
Ok, mais la base elle est juste là, oui, bah oui, en même temps, oui. Par contre, faut barrer là, faut se barrer parce que. Je vais sûrement le perdre, je pense que je vais le perdre. Trop lent la décision. Est-ce que t'as moyen de me bombarder un peu tout ça, toi? Toi, tu viens comme ça. Eux, ils viennent là. Eux, ils viennent là. Ok, faut se barrer et vite. Mais là, ça va être compliqué de se barrer vite. Je vais carrément insister sur la base. J'ai carrément envie de les empêcher de respirer, donc. Ouais, donc évidemment, ils vont commencer à nous reprendre des trucs par là. Ouais, ouais, bah prenez-les les points. Je vais vous péter votre base. Voilà, le truc il sort, il a même pas le temps de réagir, il se fait péter. Mais il répare pas eux. Ouais, pour après faire gaffe quand même, hein. Allez, on met une charge de tout ça là-bas. Oui.
Voilà, ils ont plus de QG. Ça marche aussi. Allez hop. Comme ça, c'est fait, on est tranquille. J'aurais probablement pu la rusher un peu plus vite celle-là, mais bon, pas grave. Peut-être un peu plus de combat automatique aussi, peut-être, parce que bon, ça vous êtes peut-être plus intéressé par les missions que par les petites escarmouches. Je les fais pas toutes, hein, je vais en faire de temps en temps. Mais le temps sur la map là d'action ennemie est un peu long quand même. Oh là là. Palazzo delle Poste in Naples. It seems the Germans left one last warning for the resistance. C'est vrai qu'il fallait aller éteindre l'incendie aussi. Mais je voulais y aller avec eux de mémoire. Ça va mettre un peu de temps, mais. Ok. Ouais, on va mettre ça, comme ça ils vont se déplacer beaucoup plus vite. Avec eux, on va venir capturer ça. Enfin, on va peut-être pas le capturer à ce tour-là, du coup, mais. On va faire un barrage de compagnie pour affaiblir cette unité là. On va dire que ça vaut ce que ça vaut, hein, mais. Ouais, bah là, une caisse de munitions, on va pas pouvoir l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le bombardier, tiens, on va le faire venir détruire les défenses anti-aériennes d'ici. Voilà, ça c'est fait. Artillerie aérienne, ouais, ça c'est notre unité principale. Talon numéro 21 quand même, hein. Quoi, c'est un petit Humber, ouais. Ouais, d'accord, mais bon. Ça c'est bien. Et alors ça c'est quoi? Améliore le barrage d'exploration pour qu'il vienne. Qu'il envoie aussi des obus détonnants. Hein, pour qu'il envoie des obus fumigènes une fois le barrage initial terminé. Celui-là est mieux. Clairement mieux même. Donc c'est celui qui est là. Donc c'est à nous ça ou pas? Pas certain. Mais j'aurais bien aimé, avant de le capturer. On peut pas aller achever l'unité là. Dommage. J'aurais bien aimé, mais on peut pas. Ok. Et on va partir en mission ici. Hein. J'avais un petit point de talent avant, est-ce que je peux l'utiliser ou pas? On va prendre le soutien médical. Voilà. Détruire les canons côtiers, allez, on commence une mission.
Those flak guns are gonna rip our ships to pieces. We need to deal with them. Okay. Right, men, listen up. These three coastal guns are wreaking havoc on our ships. So the brass have signed us up to silence them. And you drew the short straw. You can get to the coast via the Western Road. But the Krauts have set up bunkers along the route that you'll need to destroy if you go that way. These guns are a critical part of the German defenses. So go wipe them off the map. Okay. Parti. Let's go. All right. This ain't gonna be easy, but the men on those ships are relying on us. Let's go. On va faire ça tout de suite. Précision. Lance-flamme, évidemment. Et un petit Humber pour commencer, donc priorité au véhicule, hein, évidemment. Finalement, bah, je fume. Ok. Ok, on va aller direct sur eux. Parce qu'ils vont pas faire long feu. Ok. C'est bon. Remarquez des armes lourdes. Ok, on va faire un canon petit char tout de suite. Et une unité de mitrailleuse. Voilà. Wait up, brothers. The Germans have emplacements covering the road. If we can clear them out, we'll have a straight shot to the coastal guns. Eh ben, ils sont où? Pas de problème si vous me dites où ils sont. Hein. Ok, les bunkers sont là. Anti-tank weapon and crew on the field. Six pounder ready, sir. Pack it up, lads. We've got orders. Pour le moment, on va les laisser là. Ok, ils sont arrivés à le buter, parfait. Let's go. Ok, faut fuir. On va, voilà, débarrasser d'eux. Et on va foncer ici. Toi tu te barres. Ok. Ok. Et bien évidemment le Bishop. Le classique, j'ai envie de dire. Mais indispensable Bishop.
Voilà, il y a probablement un point très simple à faire, hein, mais... En vrai, on a le temps. On va le faire. Moment, on fuit avec. Et après, on va y aller. S'en occuper. Mais là, on va même pas réfléchir. Et boum. Ok les gars. Ils sont en mouvement. Alors, on va évidemment recommencer, hein. Voilà. Et on va monter avec le véhicule tout de suite et on va aller voir un peu ce qui se passe là-haut. On va s'occuper du mortier. Qui ne peut rien faire à part subir ou fuir. On n'a plus qu'à finir de détruire ça et prendre le contrôle de la colline. Donc ça c'est bon. On a combien d'épisodes? On a 34 minutes. Et ben, je vais y mettre fin du coup. On se retrouvera pour la suite au prochain épisode. Je vous dis à très vite. Bye bye.